Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, donc, on a assisté à un match extraordinaire de la part d'Antoine Griezmann, qui, voilà, lors du match qui opposait l'Atlético de Madrid à l'Inter Milan, qui est match qui comptait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, on a vu un Griezmann très, très en forme. C'était un Griezmann qui était vraiment loin du Griezmann qu'on a vu du côté de FC Barcelone. Il a vraiment retrouvé son niveau d'entente, le niveau qu'il avait, donc, dans les années 2015-2016, lorsqu'il était, donc, en pleine forme du côté de l'Atlético de Madrid. C'est vraiment un Griezmann qui a su, donc, porter son équipe aujourd'hui et ça s'est vu, donc il a réussi à mettre le but égalisateur ici qui a redonné la confiance ici à l'Atlético de Madrid. Il a même fait marquer un deuxième but donc sur le coup, et malheureusement donc il y a eu l'intervention du défenseur donc de l'Inter Milan qui l'en a empêché. Cependant, au cours de la il a réalisé vraiment un excellent match. Il était partout en défense, au milieu de terrain, en attaque, il était un peu partout comme d'habitude, et il est vraiment donc vraiment à féliciter parce que il a su donc il a su retrouver le niveau que l'on connaît de lui, donc c'est que l'on a connu de lui ces récentes années lorsqu'il était donc à l'Atlético de Madrid, et c'est vraiment beau à voir. Donc là maintenant l'Atlético de Madrid va se qualifier donc pour les quarts de finale, et ça sera vraiment intéressant à voir donc s'il va parvenir à maintenir cet état de forme là, ça sera vraiment une bonne chose pour l'Atlético de Madrid, qui pourra donc compter sur un joueur vraiment en forme et un joueur qui peut décider donc le lieu des matchs, et il peut permettre donc à l'Atlético d'aller très loin, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue. Vraiment, il a réalisé un match vraiment top. Donc, que pensez-vous? Donc, pour laisser savoir donc ce que vous avez pensé ici de ce match-là dans les commentaires, et à la prochaine.